I'm Zanele Mholi, reporting live from South Africa. I'm a visual activist. I take photographs. The kind of work that I do is on queer politics, gender politics, politics of race. I'm fascinated by LGBTI individuals in different spaces. I've learned how beautiful this place is, how important our lives are, and why we should preserve a history about our own people, about us. Zanele Mholi est aujourd'hui la photographe sud-africaine la plus reconnue sur la scène artistique internationale. Plus qu'une artiste de l'image, elle se définit en tant que photographe activiste dont le projet vise à assurer la visibilité de la communauté lesbienne et noire. Elle s'est formée à la photographie à l'école sud-africaine Market Photo Workshop, créée par le photographe David Goodblatt, qui soutient l'éducation des jeunes noirs des milieux défavorisés. Avant cela, elle travaillait pour des ONG dénonçant les violences et les crimes de haine homophobes et transphobes et créant des lieux de confiance et de sécurité. Elle a cofondé le Forum for Empowerment of Women et Incansio, le forum pour les médias queer qui défend les droits des lesbiennes et transgenres noirs. We live in fear. Death happened to bind us. Hate crimes have become a binding factor for the LGBTI communities. We come together to either give support or to confirm that somebody has been killed. Then that person becomes a statistic. Another case number becomes part of our history. And what are we doing about it? Do we always go and attend funerals and then after funerals you go home, you wait for another funeral? What? You have to document. You are forced to document. La très grande série de photographies intitulée Faces and Phases découle de cette expérience d'activiste. En 2006, l'Afrique du Sud légalise les mariages homosexuels. Malgré cette loi, l'intolérance et l'homophobie restent très fortes dans le pays. Zanele Mholi, alors âgée de 34 ans, débute ce projet qu'elle réalisera pendant 10 ans et qui rassemble plus de 300 portraits de lesbiennes, essentiellement sud-africaines. Les lesbiennes africaines manquaient d'une image positive qui les représenterait avec fierté, comme le souligne la photographe. Les portraits sont très sobres, toujours en noir et blanc, devant un fond neutre. La construction de ces portraits rappelle des décors simples de studios photographiques. Pourtant, Zanele Mholi parcourt des kilomètres pour réaliser ses photographies dans l'environnement même des personnes photographiées. Ces images apparaissent parfois presque comme des photographies d'identité, rappelant ainsi la fonction primaire du portrait, celle de conserver de manière la plus fidèle l'image et la mémoire des personnes aimées. En parlant de sa série, Zanele Mholi dit « Faces exprime la personne et phases signifie la transition d'un état de la sexualité, de l'expression du genre ou de l'expérience à un autre état. Faces évoque également la confrontation entre moi-même en tant que photographe activiste et les nombreuses lesbiennes, femmes et transgenres avec lesquelles j'ai interagi dans des lieux différents. » L'intensité du regard, dirigé droit vers celui ou celle qui regarde, donne une force incroyable au cliché. La photographie semble ainsi transmettre le vécu et l'expérience de la personne prise en photo, mais elle crée également un nouveau temps d'échange dans le présent entre le regardeur et le regardé. Le projet, qui a très vite gagné une reconnaissance mondiale étant présenté à la Documenta 13, aux rencontres d'Arles, à la Photographer's Gallery à Londres ou encore au Brooklyn Museum, a pris aussi la forme d'un livre sorti en 2014. Certains portraits sont accompagnés de témoignages qui renforcent l'aspect personnel et engagé de cette série. L'histoire de la peinture et de la photographie s'enrichit en portraits qui sont des témoignages importants du passé. Ces œuvres jouent aussi un rôle, celui de défenseur d'une cause, voire même de manifeste. Car faire un portrait, c'est rendre visible, c'est porter à l'attention des autres, c'est présenter pour permettre de comprendre.